Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Prince of Persia, pardon. Nous sommes sur une suite directe. La dernière fois, on avait vaincu le boss, le premier boss, qui nous avait donné un nouveau pouvoir, et le pouvoir, c'est dasher dans les airs. Donc, on va découvrir un peu par ici ce qui se passe, vu que là ils mettent un marqueur de tête de mort, je ne sais pas ce que ça veut dire, vu que j'ai déjà affronté le boss. Vu que je ne sais pas vraiment où il faut que j'aille. J'aurais bien dit le haut, mais... Je vais aller par là, parce qu'il y a ça. On va aller voir. Et oui, maintenant je peux passer. Et oui, maintenant qui dit nouvelle mécanique. Désolé, j'ai dans ma tête. Je suis en double saut, mais en fait. Non mais, c'est quoi ce timing? Ah, il y a un arbre. J'allais dire, je vais mourir avec ces conneries. On va prendre l'arbre avant. Qu'est-ce que c'est? Objet de collection obtenu, missive 1. Attends, il y a combien d'objets à collectionner? Ouch! Crétin d'imbécile. Ah ! Crétin d'imbécile. Qu'est-ce que c'est? Réseau de statues Oma. Vous pouvez vous téléporter entre deux statues de Oma reconstruites. Interagissez avec la statue sélectionnée. Destination. Ça, c'est bien, ça. Et donc là, le refuge. C'est bien, ça. C'est bien. Est-ce que je descends? Bien sûr qu'on va descendre.
nouvelle amulette. Amulette, pardon. Non, de Rixana. Restaure faiblement la santé après une parade réussie. Ah, c'est bien ça. Mais oh, j'allais mourir demain. Ok. Ah, là, il y a un coffre ouvert. Je suis déjà passé, là. Non. Et ici, il y a une entrée. Et là, c'est quoi? Ah, c'est une raccourcie. D'accord. C'est ici, j'avais pas vu la lumière. Je sais pas pourquoi, mais je me doutais qu'il y avait, quelque chose. C'est quoi ces embrouilles? Ah non, ça l'a pas compté? Tout ça pour une pièce d'exercice. Alors, nous disons donc que je vais aller là pour découvrir le reste. Et encore là. Est-ce que je peux le faire, ça, maintenant que j'ai le pouvoir? Aucune idée. Outil d'artisan, tisserand de tapis, fil de soie fin utilisé pour coudre des motifs, complexe de tapis, machin, et quand ça... Ah! C'est ce passage-là, d'accord. C'est ici, j'essayais de monter, mais on pouvait pas. Je suis mort de où ?
L'a pas compris. Ah, ok. C'est pas un truc de. C'est là où je suis mort. Ouais, j'ai pas compris. Pas les tuer, je vais pas passer ma vie à. Ah voilà. Ça fait plaisir quand ça meurt. Alors, par ici. Ah c'est du tac au tac quoi. Ah c'est fermé. Ok. Je vois pas ce qu'il peut l'ouvrir. Dans le menu personnage, nous allons regarder ça. Personnage, ouais. Ah, apparence. Ah, c'est pas un short que j'ai eu, c'est d'accord, mais tu changes de vêtements, je suis d'accord. Tu changes de couleur de peau. Pas trop loin. Pardon, j'ai mis un coup dans le micro. C'est là où on doit aller. D'accord. Nous venons de découvrir un nouveau lieu qui s'appelle les profondeurs. J'ai ça à les découvrir. Là, j'ai rajouté des trucs, ouais, sûrement. Je vais voir si je peux aller faire des achats ici. Par
Par contre, bon, on va monter, hein. On va aller en haut de la... On va faire la haute citadelle. Bon, bah on va pas faire ça, hein. Je vais devoir descendre. Je suis désolé. Je vais refaire tout le détour. Ah, alors, bah. Tu as trouvé des traces de Hassan et Anaïta? Non. Et toi? On dirait qu'ils ont évité les profondeurs de la citadelle. C'est dans ces profondeurs oubliées qu'on trouve les pires créatures. Normalement, ce genre d'endroit ne me déplaît pas, mais Hassan n'est pas par ici. On fait fausse route. Merci, Rajen. Donc. Elle vient clairement de nous dire que c'est pas ici qu'il fallait venir. Ça, bah, ça me fait chier parce que je sais pas comment on fait pour remonter. Empoisonné, je vais crever. Ah, d'accord. Là-haut. Donne-moi de la vie. Ouais, bien. C'est bon, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Crée une vague tourbillonnante qui paralyse les ennemis très efficaces contre les... Quand Sargon est encerclé, peut déclencher que depuis le sol... Okay. Ah!
Nous avons débloqué un nouveau coup. D'accord. Je sais pas ce qu'il y a en bas. Oh là. C'est relou ça. Ah, d'accord, on peut le péter. Ok, c'est pour remonter ou pour descendre. Je suis dans la merde. Même pas un arbre. On s'en fout de lui. Vite, par là-bas. Ça me fait plaisir. Je vais pouvoir améliorer mon arme. D'accord, ouais, super. J'ai débloqué le raccourci. Ça m'évite de tout refaire, mais la route n'était pas folle non plus. J'ai envie de remonter, mais j'arrive pas à remonter. Chaque fois, je me fais toucher. Ah mais attends, je suis con en fait. Un idiot bête. Pourquoi il saute en diagonale? Ah, c'est bon.
Désolé pour ce passage dégueulasse, je tiens à le dire, dégueulasse. Ce moment était nul. Et même moi j'ai pas kiffé. Bon, c'est en dessous. J'espère que c'est toujours un lingot pour améliorer. Bienvenue. Souhaites-tu que je forme ? D'accord, indisponible. C'est ça doit être une fois ou alors réapprovisionnement en cours, ouais, donc c'est pas maintenant. Petite augmentation des dégâts de l'arc. Non. Je préfère pas faire maintenant. Ah d'accord, je l'ai trouvé. Mais il faut que je le rachète. Non, attends. Excusez-moi. As-tu trouvé? Ah merde. Attendez, je dis des conneries. Amulette. Non, c'est ça. Bienvenue. Souhaites-tu... Non, c'est pas le même. Ok, faut que je l'achète quoi. Non. Allez. J'étais venu pour augmenter. Bonjour. Mamie, qu'est-ce que tu vends ? J'ai acheté une popo. Potion supplémentaire augmente légèrement les soins des popos. Non, ça c'est bon pour l'instant. Je peux acheter une pétale, mais je préfère garder pour l'instant. Protège le porteur hein, du poison, on s'en fout. Une pièce d'exercice, on s'en fout. Salut Sargon. J'ai acheté ça, ça m'intrigue. Je dois trouver Varam. Tu l'as vu ? Il a un plastron avec une tête de lion. Et une cape blanche. Bien sûr que je l'ai vu. Il a pris un passage vers l'ouest, à mi-hauteur de la statue. Alors là, on a mis une énigme parce que je suis con. Attendez. Est, c'est à droite. L'ouest, c'est à gauche. Alors. Elle a dit... Après, à l'ouest. Attendez. Salut Sargon. Redis l'indice. Je dois trouver Varam. Et une cape blanche.
Il a pris un passage vers l'ouest, à mi-hauteur de la statue. À mi-hauteur de la statue ? Quelle statue ? Là, la statue. À mi-hauteur. Mi-hauteur, c'est là. C'est là, en fait, que je dois aller. Si je dis pas de conneries. Il est où, là ? Petite sauvegarde. Allez, on est parti. On est parti. Elle est où la... C'est là-haut, je crois. Attends. Déplacement rapide. C'est là-haut. Comment je fais pour aller là-haut ? Non, là c'est les... Pardon. Non, là ça va pas. Ah, c'est là. Excusez-moi, hein, je suis un idiot bête. Ok. Bah, en fait, j'aurais dû. Il faut que je me téléporte jusque-là pour ouvrir la porte. J'ai voulu le faire, fichier. Bon, on y va. Super, je pouvais passer en dessous. TP, il est là. Doucement avec le prince. Anahita, je te connais. Tu es fidèle à la couronne. Qu'est-ce qu'il se passe ? On a encore du chemin à faire. Attendez ! Je connais cet attrait. Anahita ! Arrête ! Occupez-vous de lui ! Ah !
Hassan et Anahita. Ils étaient juste au-dessus à l'instant. Je vois. Ils ont dû monter vers l'ouest. C'est étrange. C'est un vrai labyrinthe. Mais j'ai l'impression d'être déjà venu par ici. Aram ? Ça va ? Oui. Oui, ça va bien. Tiens, prends ça. Je ne veux perdre aucun d'entre vous ici. Danseur au sabre permet de réaliser une quatrième attaque à la fin d'un enchaînement standard. Appuyez sur X. Précisément après la troisième attaque frappe l'ennemi. Continue vers la porte du Simorgue. Je te rejoins là-haut. C'est pas mal ça, quatrième attaque. C'est ça ? C'est là ? Alors, Samuel abrite la vaste collection de recherches scientifiques et culturelles du monde entier. Les archives contiennent d'innombrables connaissances sur les dieux et créatures du monde passé et présent. Tous ceux en quête de savoir ont le droit d'accéder à ces informations. Décret officiel du roi Darius. D'accord. Pendant des siècles, le mont Kaf fut un dieu accueillant sous le règne du roi Darius. Le monde entier visitait la citadelle à la connaissance d'un fois sous menace croissante. Le roi Darius a fait son concevoir, d'accord. La mort du roi, folle pour la malédiction que j'ai eu. Ok. Ah, bonjour. Il arrive. Il veut nous enfermer. Qui? Il arrive. Il veut nous enquer. Bon, il veut pas dire. Attends, on est chez Poudlard ou quoi? Qu'est-ce que c'est que vous allez dire? Je regarde vite fait. Silence ! Il a quitté sa prison. Mais qui ? Il est sûrement en train de vous traquer. Et nous avec. Alors moi je veux bien aider, hein, mais si tu me dis pas de quoi ça s'agit. Oh, tu m'as trouvé. Mais je n'étais pas perdu, tu sais. Ah, c'est un 2. C'est quoi le genre 2? Donc légèrement les exégodes des techs de mêlée réalisés dans les airs. Restant faiblement la santé après une parade. Ah, obligé à parader plus. Non mais si, en fait je suis con, mais tout à l'heure à la forge. Enfin, quand j'étais à la forge, en fait, ça a amélioré mes trucs. C'était pas des trucs que j'achetais en plus. Hein, les jardins de mêlée lorsque votre santé, la santé de Sargon est au maximum, ça sert à rien. Celui-là, augmente légèrement la santé maximum, la potion. Éclat d'entra, ouais, je peux choisir avec ça. Est-ce que je préfère pas ça? Est-ce que c'est pas mieux?
voulais lui parler. Il y a beaucoup de nouveaux venus ces temps-ci. Comme moi, tu veux dire? Est-ce que tu as vu une femme portant des insignes de général? Vu? Non. Mais les racines sentent les vibrations à travers le mont Kaf. Ah, donc tu ne sais pas qui ça peut être? Elle presse le jeune homme. Elle le pousse et le bouscule. Le Wak-Wak ne la comprend pas. Le jeune homme est une âme sensible, gentille. Le Wak-Wak aime celle-ci. Ok. Gardien de la connaissance, autrefois scribe, Benham fut nommé par le roi et investi de la fonction de gardien de la connaissance. Pendant des années, il a fait preuve d'une dévotion aussi implacable qu'impitoyable. Malgré la mort du roi et la malédiction, il continue d'arpenter insensablement les archives désespérées. Non, les archives, persuadé de servir à justice. Ah ok, c'est lui. Ok, tombe. Il y a par ici et il y a en bas. Ok. Vous voyez, cette mécanique est toute conne, mais ils m'ont scanné, j'ai vu qu'il y avait une clé, j'ai pas de clé, bah voilà. Ah, c'est lui. C'est lui qui capture des gens. Ce lieu est aujourd'hui une prison. Tu ne sais pas ce que c'est que d'attendre. Moi, oui. Ça fait des siècles que je suis à genoux. Oh, il y a trop de monde maintenant ici. Ah oui, le mec, il se voit comme... Oh là! Hey, je voulais pas vous tuer les gars, mais c'est vous qui m'avez attaqué, vous êtes complètement fous ou quoi? En même temps, oui. J'ai l'impression qu'ils sont complètement fous. Belle esquive. Bon, tant pis. Je vais aller voir ce qu'il y a là. Peut-être pas se mettre dans son truc. Ok, il m'a mis l'œil.
On va sortir, hein. Ah non. Idiot bête. Tous s'agenouillent devant la grandeur de l'Empire. Ah, je pouvais descendre. Salut Sargon. Encore trop de chemin. Par contre, j'achète la carte. Prête-moi ton œil du vagabond. Je vais y rajouter les informations que j'ai glanées sur cette zone. The Lambiwant. Ok. Par contre, je crois que ça... c'est l'information de où on doit aller. Donc du coup, faut que je descende. Bam. Chut. Je reviens sur mes pas. Peut-être aller là aussi. Apparemment, je peux descendre là. Qu'est-ce que c'est que ça? On va tracer. L'épisode est trop long déjà.
Les mèches sont les... Depuis le début, ouais, c'est un groupe d'anciens, la connaissance approfondie. Ça contient de nombreuses tablettes. Ok. Ah oui, mais je peux pas y aller, j'ai pas de clé. Bon. On va s'arrêter là. Je sais pas où je dois aller, je vais essayer d'aller là. Faire le tour en fait. Je verrai bien. Donc, merci à tous d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Là, on était plus dans le côté perdu, labyrinthe, machin. Donc, bref, on verra bien. Prenez soin de vous et à ciao les amis.